La chronique Info-Travaux vous est présentée par la Ville de Saguenay qui vous rappelle qu'elle travaille pour vous à l'amélioration des infrastructures municipales. Voici Jeannot Allard du Service des communications. Plusieurs travaux d'aqueduc toujours en cours cette semaine dans l'arrondissement de Jonquière, notamment sur la route des Bouleaux à Chipchat, les rues Fortier, Saint-Louis, Duvernay, de la Montagne, Despins et du Lonceau, ainsi que le prolongement du réseau d'aqueduc sur le chemin Saint-André. Travaux de pavage sur la rue Price avec entrave majeure à la circulation, de même que sur le boulevard du Saguenay et la rue Saint-Dominique. Dans l'arrondissement de Chicoutimi, poursuite des travaux d'aqueduc sur les boulevards du Royaume-Ouest, Sainte-Geneviève, la route de Tadoussac, le chemin des Villas, le rang Saint-Paul, les rues du Séminaire, Monseigneur Martel et sur la rue Notre-Dame à la Terrière. Des réfections de pavage sont prévues sur la route Villeneuve à Canton-Tremblay et sur le chemin du Portage des Roches-Nord à la Terrière. Enfin, à la baie, les travaux d'aqueduc se poursuivent sur les rues J.C. Lévesque, Saint-Pierre et Aimé Gravel. Nous profitons de l'occasion pour rappeler à la population que tous les travaux d'aqueduc peuvent provoquer des épisodes d'eau jaune ou brouillée et occasionnent, dans certains cas, des entraves à la circulation. Le cas échéant, laissez couler l'eau de votre robinet jusqu'à ce qu'elle redevienne claire et limpide. Pour plus de détails sur les travaux en cours, consultez la section Info-Travaux sur le site Internet de la Ville à ville.saguenay.ca.